Alors ici, on a le nombre 35. Alors 35, c'est 3 dizaines. Ici, c'est la place des dizaines. La place des dizaines, ici. Donc dans 35, il y a 3 dizaines. Et ces 3 dizaines-là, on les retrouve, en fait, je les ai dessinées ici. Donc là, on a 3 dizaines. 3 bandes qui contiennent chacune 10 unités. C'est 3 dizaines. Voilà. Et puis ensuite, dans 35, il n'y a pas que ces trois dizaines, il y a aussi les cinq unités qui sont là, puisque ce 5-là, il occupe la place des unités. Ici, c'est la place des unités. Donc, dans 35, il y a trois dizaines et cinq unités que j'ai représentées ici. Donc, cinq unités. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que j'appelle une dizaine, en fait, c'est simplement dix unités qu'on regroupe comme ça, pour faire une barre de dizaines. Alors de ce nombre 35, on va essayer de soustraire 8 unités. Ce 8-là représente 8 unités. Donc on pourrait se dire, ben, on va essayer d'enlever directement les, les 8 unités. Le problème c'est qu'ici on n'a que 5 unités. Donc on, si on n'a que 5 unités, on ne peut évidemment pas en enlever 8, hein, puisqu'il n'y en a que 5. Alors évidemment c'est un peu problématique, mais en fait, dans le nombre 35, il y a bien plus que 8 unités. Donc on doit pouvoir enlever 8 unités quelque part, puisque 35 c'est bien plus grand que 8. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dizaine, cette dizaine-là par exemple, et en se rappelant qu'une dizaine, bah, c'est tout simplement dix unités. Donc je vais prendre cette dizaine et je vais la considérer en fait comme 10 unités qui ne sont pas regroupées. Hein. Donc pour faire ça, bah, je vais remplacer cette dizaine-là par dix petits carrés. Donc que je vais dessiner ici 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, tu vois, en fait, j'enlève cette dizaine de la place des dizaines, je la transforme en, en 10 unités. Donc en fait, je n'ai rien changé au nombre, hein. j'ai toujours 35. Si tu comptes combien il y a de petits carreaux en tout, ben, tu verras qu'il y en a toujours 35. Hein. J'ai tout simplement défait cette dizaine pour la considérer comme 10 unités qui ne sont pas regroupées. Voilà. Et maintenant, si tu regardes le dessin, en fait, il n'y a plus trois dizaines ici, il n'y en a plus que deux. Donc j'ai deux dizaines. Et par contre, le nombre d'unités, bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, c'est les cinq unités que j'avais, plus les dix unités qui viennent de cette dizaine. Donc maintenant, je n'ai plus cinq unités, j'ai 15 unités. 15 unités. Ça, c'est parce que j'ai enlever cette dizaine-là et je l'ai convertie en 10 unités. Alors du coup, maintenant, comme j'ai 15 unités ici, ben je peux en enlever 8. Hein. Si j'enlève ces 8, je vais enlever ces 8 unités ici. Donc il suffit que j'en enlève 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, là, j'ai effectivement fait la soustraction 35 moins 8, puisque j'ai pris 35 et j'ai enlevé 8 unités. Alors, pour avoir le résultat de cette soustraction-là, maintenant il suffit de compter ce qui reste. Et je vais commencer par compter les unités. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Donc ce qui me reste, c'est 7 unités, simplement. Donc le 7, je vais le mettre ici, dans la colonne des unités. Voilà. Il me reste 7 unités. Et puis je vais compter combien il me reste de dizaines. Ben, il m'en reste uniquement 2, hein, ces deux là Donc j'ai deux dizaines que je vais écrire ici. Voilà. Et là, j'ai donc fait la soustraction. 35 moins 8, ça fait 27. Et pour faire ça, j'ai utilisé les petits dessins. Alors, on ne va pas repasser à chaque fois par les petits dessins, mais par contre, c'est très utile pour comprendre ce qui se passe. Hein. Alors, pour faire cette opération sans passer par les petits dessins, eh bien, en fait, il faut comprendre que ce qu'on a fait, c'est qu'on devait enlever 8 unités alors qu'on n'en avait que 5. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une dizaine dans la colonne des dizaines. Donc, si on en, il y en avait 3, si on en prend une. Il en reste 2. Voilà. Et cette dizaine, on l'a remise dans la colonne des unités. Donc une dizaine, c'est 10 unités. Donc ici, je me retrouve avec les 5 unités qu'il y avait ici, plus les 10 qui viennent de cette dizaine que j'ai enlevée. Donc ici, on a en fait 10 plus 5, c'est-à-dire 15 unités. Et du coup, là, la, la soustraction dans la colonne des unités devient possible. On a 15 unités et on en enlève 8. Il en reste 7. Voilà. Et puis ensuite, on regarde combien il reste de dizaines. Il y a deux dizaines, on n'en enlève aucune, donc il en reste 2. Voilà